avantage, une mouche assez simple. Ça va être une. Un peu, je vais monter ça un peu comme un type de knife, là, mais c'est une Winnie verte qu'on appelle. Fait que je me prends un hameçon jig comme ceci. J'ai une bille dans mes doigts que je vais venir passer dans mon hameçon pour pouvoir venir ajouter du poids à ma mouche. Donc, je vais monter en vert. Donc, je vais mettre une petite bille verte. Je vais prendre un fil de montage vert aussi. Un petit fil de montage, là. Vert olive, ça va faire la job. Je vais commencer par venir fixer mon fil de montage. C'est super agréable comme mouche. Méga facile à monter. Comme ça, c'est des mouches qu'on peut s'en monter plusieurs à la fois et c'est rapide. Donc, on va faire, ça va être un peu comme une mop fly. Fait que je me prends un échantillon de mop. Comme ceci. On pourrait venir brûler l'extrémité ou juste venir l'attacher. Libre à vous si on le brûle. Comme ça, on sécurise un peu l'extrémité de notre mouche. Et on va venir installer pour que ça fasse ceci. Donc, vous avez vu, je ne suis pas allée jusqu'en arrière. Je vais venir fixer seulement à partir d'ici. On va faire un tour. Je vais venir délicatement le fixer en place. Faire attention que la mop ne tombe pas sur l'hameçon. On s'assure que c'est bien aligné sur notre hameçon. Fait que je fais quelques tours au même endroit. Je retourne tout le temps à la même place que j'étais. Et je vais venir tourner, venir près de ma tête. Et rendu à la tête, je vais revenir refixer une autre fois. Avant de revenir fixer, même je vais revenir faire un petit nœud, sécuriser l'étape où je suis. Et on vient fixer le tout une dernière fois. Faisant quelques tours sur la mop et en finissant devant la mop. On va faire mes nœuds de finition et votre mouche est déjà finie. Fait qu'une mouche vaut pas la peine de s'en passer tellement que c'est facile à monter. Donc, et voilà, n'oubliez pas de venir mettre un peu de lac sur votre fil de montage parce que vous avez finalisé votre mouche pour ajouter un peu de solidité. Et c'est tout! Et bon montage!